Cyberespace. Technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital. Une Algérie 2.0. Cyberespace sur Algérie 3. Samir Aloun, bonjour. Bonjour Hakim. L'université au cœur de l'économie de la connaissance, ça se confirme de jour en jour. D'ailleurs, un classement est là pour l'attester. Vous en parlez ce matin. C'est 54 établissements universités algériens qui ont été classés dans le classement mondial dédié à l'impact des universités par rapport à la réalisation d'objectifs de développement durable. Tout cela, c'est du concret. 54 établissements classés contre 12 seulement l'année dernière, ce qui classe l'Algérie première au niveau maghrébin, africain, arabe en termes d'établissements bien classé ou classé. Eh bien, c'est un classement publié chaque année qui atteste des performances et efficacité des établissements d'enseignement supérieur à accompagner l'évolution des différentes facettes socio-économiques du pays, à même d'atteindre les objectifs liés au développement durable en se focalisant sur un savoir-faire, sur des compétences locales qui s'initient à plusieurs concepts, à même de représenter une relève scientifique, technique, avec des brevets et des projets de recherche innovants. 54 établissements classés au Times Higher Education and Impact Rankings 2024, ce qui démontre une évolution en termes de contribution des universités à travers des étudiants, enseignants, chercheurs qui développent une théorie, une idée qui évolue en un projet, un prototype. Nous avons l'habitude d'en croiser sur le terrain, c'est des drones, des robots pompiers, des systèmes d'irrigation intelligents, des approches plus bio, plus durables, qui encouragent le recyclage. Les possibilités sont infinies en termes de projets initiés dans l'écosystème universitaire. Chaque étudiant ou chercheur s'inspire de son entourage, affinité ou spécialité pour développer ce genre de concept. Les idées seules, la théorie seulement ne suffit pas toujours à lancer des projets, à les concrétiser. Pour apporter ce soutien, c'est des infrastructures qui sont créées au sein des universités, des centres de développement de l'entrepreneuriat et maisons de l'intelligence artificielle. L'objectif étant d'aider les étudiants et autres entrepreneurs en herbe à avoir une vision plus large sur les possibilités liées à l'innovation, sur comment trouver des solutions concrètes propice au développement durable tout en créant des postes d'emploi, de la richesse basée sur la connaissance et sur le savoir. Une tendance qui a permis à pas moins de 10 000 auto-entrepreneurs de voir le jour, de tenter l'expérience, soit plus de 3 000 demandes chaque mois. Des mesures et autres décisions ont été prises pour justement faciliter ces procédures, les simplifier au maximum et surtout garantir un temps de traitement rapide, soit d'éradiquer progressivement le maximum d'entraves administratives qui ralentissent l'innovation, donc l'évolution de l'entreprise. Une nouvelle génération qui aspire à user, à exploiter ce savoir pour essayer de rester au diapason des nouveaux concepts qui révolutionnent les systèmes de gestion, de commerce en ligne et de tout autre service qui peut contribuer au développement socio-économique du pays, ainsi qu'à l'adaptation à toutes sortes de défis présents ou futurs. Merci Samir Aloun. 7h43 minutes sur Algérie chaîne 3. Restez avec nous, on parlera de santé au travail, les news culture avec Linda Tamdari.